Exceptionnel ce soir au Grand Café, puisque c'est le lancement de la Ligue Slam de France ici à Poitiers. Ça fait maintenant 3 ans qu'avec l'Astromois, l'association qui a été créée pour valoriser le slam dans la région, et ben on fait des scènes. Et de voir ici tous là ce soir réunis, et 28 slameurs inscrits, et ben ça fait sacrément plaisir. On peut vous applaudir bien fort d'être là. Comme à chaque fois, il y a des novices qui se demandent le slam, c'est quoi? C'est un jeu télévisé? S'il y a de la musique, des choses comme ça? Eh bien non, le slam n'est pas un genre, le slam est un jeu. On réunit des gens sur la scène, on leur donne un espace de 3 minutes. Ils libèrent leur expression comme ils le veulent, comme ils l'entendent, sans costume, sans déguisement, sans musique, sans rythmique préenregistrée, sans vêtements parfois, ça arrive aussi. À tous, et puis bah merci beaucoup d'être là ce soir, merci d'avoir éteint vos télés, merci d'être descendu dans la rue à la rencontre de tous ces poètes qui vont s'exprimer devant nous ce soir. La première fois en France, en fait, une fédération d'associations qui se met en place pour que le mouvement slam puisse vivre en France, pour que les slameurs et les organisateurs de scène puissent se rencontrer, organiser des tournois, des rencontres entre les villes, entre les régions, etc. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Et donc voilà, Poitiers, bah, quand même, c'est quand même un petit peu cool qu'on soit là ce soir. Et ça fait plaisir parce que l'association L'Astromois est une association fondatrice de cette ligue. On est 3 associations fondatrices au départ. Donc c'est l'association de Tours, de Reims et L'Astromois de Poitiers. 3 associations qui ont créé cette ligue. C'est une espèce de coopérative d'associations. On est déjà plus de 20 associations à Marseille, Reims, Lyon. Poitiers, Rennes, etc., etc. Donc voilà, il va se passer plein de choses dans le slam en France. Restez à l'écoute de la Ligue, restez en lien. Donc il va y avoir une plateforme qui est déjà créée, qui est en train de se mettre en place, qui est le site de la Ligue Slam de France. Donc c'est ligueslamdefrance.com, où en fait il va y avoir toutes les infos, etc., etc. Cette Ligue a été créée pour vraiment, vraiment promouvoir toutes les associations qui sont là en France, et aussi créer une connexion avec le mouvement slam international qui existe aujourd'hui depuis quand même pas mal d'années, une bonne vingtaine voire trentaine d'années. Et donc en France, il n'y avait pas de lien. Donc voilà, on va créer plein d'espaces de rencontres et on va se mettre en lien avec le mouvement international grâce à cette ligue. Donc voilà. Et donc bah, merci à tous d'être là. Un grand bravo à tous ceux qui vont monter sur scène pour la première peut-être fois ce soir. Et puis comme on dit dans la ligue, le slam et la poésie est faite pour être partagée, alors venez faire un tour de liberté. Merci monsieur, je vais maintenant en place au slam. Nous avons tout d'abord Andrea qui vient nous revoir après un petit temps d'absence sur la scène. Qui vient nous revoir, qui est une chômeuse souriante, préparant son concours de prof d'espagnol. Et c'est une chilienne qui vient juste d'obtenir la nationalité française. On peut l'applaudir pour ça.
est là, si vous voulez la corrompre, avoir de bonnes notes, allez lui payer des verres, lui dire qu'elle est bien habillée, qu'elle est belle. Je suis là. Je suis là. Ensuite, nous avons Thierry, qui est militaire et sportif, curieux de poésie, et qui est père d'un slammer ici présent ce soir. Voilà. Un petit Thierry, qui est strasseur budget, trésorier de la Soulbox Box. Et j'ai pas pensé à avoir Thierry pour donner une blague sur toi, donc je vais attendre qu'il rentre sur scène et il la dira par lui-même. Ok, 28 slammer, il faut qu'on enchaîne. Messieurs, dames, prenez des chaises au fond, il y a de la place en haut, venez vous installer. Le THK. À chaque fois, t'as l'écran, je m'efforce. Des actes femmes des peuples africains. Une question que t'avoue. Et les boches de réponse que j'ai va te vexer, je crains. C'est à quoi qu'a rimé la lutte contre l'esclavage, la colonisation. Tu me diras sans doute. La pensée c'est certes à promouvoir l'égalité des races. Et c'est la même en opinion, tous humains, quelle que soit la face. Nous chantons depuis ce jour inlassablement, frénétiquement notre interrogation, espérant attirer les lumières des esprits savants. On en a même fait un véritable rituel. Voici comment ça se passe. D'abord, on se place en cercle dans le salon de nous, puis on s'étire et on baille dans tous les sens. Le but, c'est de libérer nos corps afin de mieux être en contact avec les esprits. Pour ne pas les effrayer, on passe à la deuxième étape. On s'échauffe la voix. Ça se fait avec des la 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 par-ci et des ti 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 par-là. Devant la fenêtre entrouverte, en contre-jour, tu te découpes. Rouge, dans la lumière verte, tu es tout le portrait de l'amour. Je vais tenter de te dessiner, tout habillé. De pudeur, de dévoiler ton estampe pleine de couleurs et de chaleur, croquer à la sanguine l'arabesque de ton corps, caresser de ma mine ton contour sur le décor, chercher à saisir dans ses yeux noirs, lumineux sans repentir. La braise carmine de l'espoir. Réussir à le capter, ce regard, et à le cerner d'un contour charbonnier, flambeur, sans détour. Je garde dans ma poche la regarde se détruire avec les cailloux de ses proches. Elle ne se rendait pas bien compte. Pour moi, combien elle compte. La poésie fait son apparition. Je fais ça, mais le problème, c'est que je suis pas comme certains. Ça, c'est certain. Car certains découpent à la Tokyo Hotel. Et d'autres peuvent payer des hôtels à Tokyo. Moi, si je te disais que je pouvais les deux, mon nom de scène serait Pinocchio. En fait, c'est n'avoir que l'écriture grand bête. Moi, je dis clairement que je suis un idiot. Certains ont des touches avec les meufs. Pour que les meufs les touchent. Moi, quand je touche une meuf, je repars avec la joue rouge. Et quand enfin j'invite une à la maison pour dîner, je lui cuisine un pot au feu et je mets le feu au pot qui se renverse sur mon feu de bœuf. J'en ai pour plus de 500 euros. Et quand enfin je retape la meuf, juste après la meuf me tape. Car tenir plus de 3 minutes, ben franchement, je n'en suis pas capable. Mais la tienne, t'es trop libre, tu t'es pas tombé une dame. Ouais, d'accord, mais jamais dépassé 3 minutes, c'est une habitude que j'ai prise au slam. Le parfait qui sionne les contrées. Tu réconcilies dans l'union la dialectique des contraires. Toi, au début, comme ce tropisme tentateur, t'as fini par séduire Logos à s'emparer de chair, avertissant Adam dans son orgueil solitaire. Il s'humilie devant Ève qui est chair de sa chair, vérité absolue ou parfaite raison de sa raison, de laquelle il ne s'éloigne sans succomber dans tes raisons. Plutôt que de vivre comme une fourmi. Je préfère mourir comme une cigale, chanter toute la nuit sous les réverbères et dans les arrières-salles. C'est vrai que la formule est belle, quand on maquille la bohème, un peu plus noire qu'on pourrait au comptoir se créer un poème. Salte en banque, j'ai des saltos et des claquettes,
Je me convainc et les belles femmes et ma tête sur une jaquette. Et je vis la nuit. Quel paradoxe, j'adore le soleil. Rastaman sans les locks, c'est à 6 heures que je tombe de sommeil. J'ai 25 printemps, 12 étés et 50 hivers. Autant d'automne à détester, mais avec l'art et la manière. Donc, je puise dans ce que j'ai. J'ai tant de feuilles mortes à refaire vivre. Je fais rougir les orfèvres devant un modeste bout de cuivre. Et ouais, depuis bien longtemps, des fous écrivent leur monologue. Un psychotrope, un verre de trop, et au comptoir son psychologue. L'énergie fixée sur mes appuis. Peu importe, je chercherai au fond de mes racines. Surtout qu'il y a une chilienne qui a l'air de dégommer ses verres pour parler aux Français, on lui a filé la nationalité. Comment tu peux espérer sincère ainsi? Pour maudire à toute la gente qui vient à examiner ainsi que nous autres haciendo poesía. Que grâce à... Cette fameuse Andrea ici présente, je l'avais croisée dans une soirée slam, je lui ai passé mon numéro, j'ai appelé deux, trois fois, j'ai dit « Hey Chilena, sabes lo que te suene ?» C'était pas pour ton cul, ma sœur, c'était pour parler de Pablo Neruda. Toi, lo conoces este poeta, et ya se va, yo me sigo con mi flamenco, mi slamenco. Hey mi oh, como que yo pensé mai. Ça c'est pour les autres. Vas-y, balance un petit impro en flamenco. Quand c'est tous les gars qui sont là, qui m'ont donné la force de continuer chaque jour. Quand je ramasse mes putains de betteraves, s'il faut tailler la file, on y est. S'il faut couper du bois, on y est. Et toujours dans la tête, ça circule, comme dans nos veines. C'est le slam pour des inhibitions de nos êtres qui se mettent face à vous. Dans votre écoute, je me pose et dois toujours trouver du nouveau. Comme Baudelaire, au fond de l'inconnu, trouver du nouveau, quelque chose de beau, 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 comme le dernier texte qui vient de passer. Amadeus, grand king, qui a mis le feu au château. Tout le monde m'a dit, mais c'est un astéroïde, où il vient? On ne sait qui sont en fait. Et non, on a pris tout ça ensemble, on motive ensemble, on sème des sillons, on crée des œuvres, on crée des œuvres, on crée toujours, vu qu'on est des cancres, donc on pense nos plumes de cancre. Et sur cette scène ce soir, je lance un pick-up, faites l'amour, faites la sieste. Et... Restez nous en déco la campagne, reprenez des couleurs et quittez cette putain de vie qui sert à rien. Et venez bouffer une putain de navet, de la bonne patate et des oreilles de cochon. Valentin, la conquête spirituelle, c'est d'y part. On a catapulté partout. On s'est nos idées déballées, on a balbutié dans des curiosités. Notre soif de savoir aux quatre coins du globe, on est parti compris de tout. On a sillonné les océans en long, en large, en travers. On a tout en tout ouvert, tout découvert, tout retrouvé encore. À tort et à travers, qu'on ne s'est pas découvert. Si bien beau qu'on s'est ensemble, peu ou prou de l'endroit que l'on a où on vit. Il y a guère que les sensations qu'on n'a pas changé au fond des acquis. Quelque chose de secret, il glisse-t-il en ce moment? On ne sait pas. Au fond des synapses, quelle histoire se tisse? Nos chers, nos chers. Tout était clair, ou presque. Il s'en est fallu de peu pour qu'au creux de mon oreille un orage gronde, semant le désordre et bouleversant mes pensées. Pourtant, il y a des moments où parfois le désordre est nécessaire. La confusion a toute sa place dans le façonnement de nos désirs. Elle donne le temps de la réflexion, alliant les moments de folie et le rappel à la raison. Pas évident de jouer les équilibristes, de se risquer et s'enfiler, avec en mémoire des souvenirs de chute. Alors parfois on abandonne, on laisse le trouble gagner le combat, pour finalement se relever et toucher peu à peu l'équilibre. En errance et sans une assistance. Retourne en la toile tendue, tentaculaire. Sa veuve noire torture, un remords lacère. Cruelle offensée, la béance attend, me hante, dévorante menthe qui paraît si aimante. Je n'ai pas menti, inventé la vanille. J'ai bien senti, et la vanité, et l'envie.
comme je fais l'amour à la nature. Vivant seul dans le ciel, dans les bois, les alpages, roulant mon corps contraint dans l'herbe moite et fraîche, comme je fais l'amour à la nature. Sur ma pierre bien froide, je m'allongerai bien encore, juste pour encore sentir dans mes yeux ton corps fort, ton corps dur et moi, mon corps pas mûr. Juste pour encore renaître femme au pays des astres, femme de chair et d'os, femme d'amant partout, comme je fais l'amour à la nature. Je recommencerai cent fois et même mille à faire ton éloge, toi qui m'as fait sentir ma peau égratignée, mon visage écorché, le rêve d'être toi et celui d'être moi. Le cul. Le cul collé aux vitres. Monsieur, le regard vitreux. En vérité, je vous le dis, voralité, voracité devant les vitrines. Moralité dans les comptines, banalité du lèche-vitrine. La vitre, la vôtre devant la vitre, j'évite, vite, pendant que les apôtres militent contre la cellulite, se considérant comme l'élite et pris de bas prix, ils m'invitent à monoprix. Tels des monomanes, ils sont toxiques les manes, comme des toxicomanes. Appris par cœur, y a pas d'erreur, que de la rancœur qui rend les cœurs durs comme la pierre, nuls comme vos prières. Les durs à cuire n'ont cure de perdre leur dur de père qui est trop sévère. Ont peur de perdre et persévèrent comme des putains pervers qui m'assèrent. Moi je m'assure à coup de massue qu'il reste derrière, maudite sangsue. Qui me censure contre un salaire, ça les rassure, bande de salauds, pas de salade ni de salamec, missile solaire dans votre soleil, mec ton, je hausse le ton, car le ton, c'est bon. Petite fille, tes oreilles captent nos mots, telles des paraboles, et t'as la trouille de pas pouvoir tenir sur tes guiboles. Avec ces mélanges de mots et de rimes, ce soir c'est partouze, et je sens bien que quelque part dans ton coin tu nous jalouses. C'est vrai que sur scène, t'es tout seul, tu te mets à poil, tu te vides l'âme et le cœur, devant nous tu te dévoiles. Slam, grande et véritable école de sincérité et de générosité, si t'as pas ça en toi, vaut mieux que t'ailles faire un tour, à côté. T'es là parmi l'assistance, avec en toi le slameur qui sommeille, réveille-le, donne-lui ta confiance, et viens sonner lors du réveil. Je m'adresse à toi, oui toi, là, quelque part dans la salle, que tu sois il ou elle, que tu sois il ou elle, ose, tu vas voir, c'est colossal. Si t'es là ce soir avec nous, c'est pour l'amour des mots et des rimes, d'auditeur devient narrateur. C'est pas de la frime, crois-moi, c'est sublime. Rien sans elle, elle n'existe pas sans moi, m'entraînant à l'infini dans le meilleur et le pire, parce que ouais, elle m'en fait oublier la réalité parfois. Elle est mon apogée, elle est mon Big Bang, elle est mon opposé, elle est mon yin-yang. Elle est ma destinée, ma déesse innée, mais seulement de ciné, elle est ma dulcinée. Elle ne respecte aucune règle, aucune loi, aucune norme. Elle est le virus introduit dans le disque dur homme. La rue, la nuit, c'est la zoologie. On croise toutes les espèces qu'on trace du logis. Il y a les étudiants qui rentrent peurés dans leur studio. Autant de pillaves dans les bars que dans les cales d'un vieux rafio. Ça déambule en solo, en groupe ou même en meute. Une moto qui déboule, en deux spies comme une comète. La banque passe, en feu de position. Trois neiges tracent la terrasse pour griller l'addition. Le barman sort et gueule. Monsieur viendra de vos gueules. Sur la plage du marché, il y a même un queue qui dégueule. Réveille un charclos qui dormait derrière l'église. Pour résumer un peu partout en centre-ville, ça tease. Attise la confusion, rire, fight, genre la nuit des morts vivants. Sauf que c'est Poitiers by night. Deux murs m'ont assommé, comme toutes ces claques qu'on m'a assénées. Et aujourd'hui, tu sais quoi? Je suis une putain de névrosée. Je me débat du soir au matin pour ne pas m'effondrer. Je continue à prendre des portes et à tenter de jouer la forte, mais il n'y a pas. Entre mon cerveau et moi se joue un combat perpétuel qui ne me laisse que peu de chance dans ce triste duel. C'est vrai, il ne faut pas s'en cacher, toutes ces petites graines plantées en moi ont bien germé pendant ces années.
Les doutes et les remises en question ont fait le nid de cette autodestruction. Là, j'ai l'impression de me réveiller d'un long sommeil. Pas genre la belle au bois dormant dans son château merveille. Non, plutôt du style, je me regarde dans le miroir, sans reconnaître celle que j'étais la veille. J'ai les idées noires, trop plein de soucis dans la tête, le ventre flasque, les rides qui me servent, c'est la fête. Et pourtant, le bonheur n'est pas loin. En réalité, il habite mon quotidien. Ça me fait bien plaisir d'être là parce que j'ai revu des têtes de ragondins, ça fait trop plaisir. Big up Amadeus, Papyrus, Onizuka, ça fait plaisir. C'est son anniversaire, mais j'ai pas de cadeau. J'ai seulement quelques bières au fond de mon sac à dos. Je vais rejoindre ma tribu, un petit sourire aux lèvres. Peut-être que j'ai déjà trop bu, car j'ai comme de la fièvre. Je ne suis pas en retard. Mais ils sont déjà là. On me tend un pétard, je le prends et m'assois. Ils sont tous au whisky, dans de grandes discussions. Je m'en sers un aussi, un triple sans glaçon. C'est son anniversaire et je sens que ce soir, je vais gerber comme hier, à genoux, comme un clébard. L'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Heureux, comme avec une femme. Arthur Rimbaud, sensation. On est d'abord séduit par la forme, puis vient le fond. Le fond vient ensuite. Il t'entraîne au plus loin dans un étrange voyage. Un voyage intérieur d'une richesse infinie, disponible au cœur libre. Libéré de nos peurs, libéré en douceur. Matin, j'ai même pas pu atteindre la pointeuse, interpellé par une DRH bien pointilleuse. Elle m'expliqua que j'étais pas assez flexible et que ma productivité était risible. Je sors par la petite porte de cette foutue boîte. En rentrant à reculons, on dirait que je boite. Sur le retour, un clodo que je peux pas dépanner. Et l'ascenseur, encore une fois, est en panne. Alors, donne-moi mon Tushy et mon RMI pour faire passer la pilule Sarkozy. Donne-moi mon Tushy et mon RMI, comme ça je la ferme et je reste avachi.